Petite découverte de la mage avant les allocations très rapides. Nous avons un nouveau mode de jeu qui est en préparation, qui parle bien sûr des équipements avancés. Et là. Et après, nous avons un nouveau bonus de coup. Et un nouvel event. Plus un nouveau portail où il y a quasiment tous les personnages du portail premium. Ils en ont remis un là. Est extrêmement intéressant. Et après, il n'y a pas plus que ça. Il y a également normalement le nouveau boss. Voilà. Et ici, on gagne de la monnaie bleue. Fléchelina, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 6 niveaux différents. On découvrira dans une autre vidéo parce que celle-là sera extrêmement longue. Et on va voir un peu la boutique. Alors, il y a ça. C'est quoi? Page d'éveil des compétences, ok. Ok. De la stamina, de la bouffe. Du 15%. Ça c'est grave important. Intéressant. Je pense qu'on va focaliser ça là. Et après le reste, c'est quoi? Bon, ça a été déjà. Il y a que ça du coup. Ils ont ajouté que ça pour le moment. Concernant le PVP, c'est en cours de développement comme vous le savez. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Ouais, il est dispo. Salut tout le monde, on se retrouve en vidéo pour justement Julius. Il est disponible sur la version coréenne et japonaise. Wesh, jam. Les gars, on est en live et on va partir invoquer sur Julius. Il y a eu pas mal de choses, bonus de connexion. D'ailleurs, dans le bonus de connexion, nous avons... Ouais, c'est ce que je pensais, double portail. Du coup, ce portail-là... On peut invoquer autant de fois qu'on veut. Et ça va nous permettre de voir si on peut drop ou pas. Et on va voir ça de suite. Après, on découvrira la mise à jour ensemble. Avec les bonus de co, les events et tout. Ah, j'espère que je vais drop jam. Ok, alors. Déjà, il n'ouvre pas son œil. Je pense pas que le perso est garanti. Dans tous les cas, il y a un perso ici, c'est garanti. Mais est-ce que lui, il est garanti? Non, c'est pas lui. Dans tous les cas, on a pas mal de multi, les amis. C'est vraiment pas mal. N'oublions pas le petit pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne, ça ferait énormément plaisir. Ok, c'est pas encore. Ok, c'est pas encore. C'est une carte du coup. Non, c'est un perso. Ouais, oh là là, c'est Rades. C'est... Oh là là. Et du coup, là, on peut recommencer? Ouais, on peut recommencer, c'est ça. L'objectif, c'est de choper Julius sur celle-là. Hein. Ok, ok. Minimum 1. C'est la multi infinie, les amis. Hein. Non, pas toi, Klaus. Non, je m'en fous. Ok. Allez, un perso. Pour noir. Non. Ok. Toujours pas. Bon, on skip parce qu'on en a pas mal à faire. Allez, on reroll, nozzle, ciao. Ciao, on veut pas ça. Bon, on skip. Lotus. Non. On va pas. Je pense pas qu'on va faire ça autant de fois. On va faire encore 3-4 parce que ça va nous prendre trop de temps sinon. Deux, du coup là j'ai deux cartes SR.
Non? Ok. Nouvelle carte, bon. Ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Pas sûr. Je vois bien que là. Mais non. C'est dommage que je m'en fous un peu, quoi. C'est réellement dommage que je m'en fous. Ouais, Léopold, on s'en fout. Merci pour le follow, ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de partager tout ça. Que j'étais en live et tout. Le perso, il est vraiment broken, hein. Ok, let's go. On continue. On skip, hein. Toujours pas. D'ailleurs, j'ai même pas vu le code drop. Je fais juste la trade pour voir. Ok. Ok. Il y a un petit peu beaucoup. Il y a un petit peu de beaucoup de multi. Je pense qu'on va la faire en off. On va faire ça. Ah bon? Ok. Bien sûr. On va quand même aller check la liste des persos. Ah oui, effectivement. Il y a que les persos basiques. Comme au début. Bon, ok. Et du coup, on s'en fout. On va invoquer ici. Est-ce que... Bon, allez, c'est parti. Parti. Julius. Là, j'ai 7 multi-tickets. Une pitchy entière. Je drop dès le début. Ça coche. Un minimum. Allez. Ah, ben, t'as vu, frérot. Ok. Ok. Est-ce que je le drop dès le début? Oh, Léopold. Oh, dégage là, Léopold. Allez, on skip. Bon, déjà, une multi. Un nécessaire. Portail en or, ça coche. Tout est bon. Ouvre ton œil. Let's go. Fake out? Non. Peut-être fake out après. Ok. Let's go! Let's go! La carte! On skip. La carte, au moins c'est ça. Troisième multi. Troisième multi. Oh là là! Let's go. Ok, portail en or. Sacoche? Non, pas de sacoche. Fake out? Non, on peut skip. Ouais, on peut skip celle-là. Et c'est là où je drop. Et non. Et non. Spoiler, non. Spoiler, non. Sacoche. Truc en or. Il ouvre pas son œil. Peut-être un fake out. Non. On peut skip. Un fake out après, mais ça m'étonnerait. Non. Ok, let's go. Portail en or. Sacoche. Allez, ouvre ton œil. Let's go. Et dans tous les cas, j'ai... Oh, deux! Oh, le fake out. Ah, Vengeance. Dommage. J'ai cra... Ah non, c'est Lich. Ouais, bon, Vengeance, ouais. Du coup. Ok. Deuxième perso, peut-être? Non. Dart. Ouais, ah là là, doublon. Dommage, ah, je t'ai spoil l'animé. Oh zut alors. Oh là là. Fake out.
Non, on skip. On skip, on skip, on skip. Let's go. Oh là là là, ça peut-être un petit fake out. Non. 3, 1 qui se transforme. Non. Bon, un fake out sur 7, hein. Un fake out sur 7. C'est là où on va essayer de drop. Ça coche. Portail en or, ça coche. Ok, il ouvre son air. Let's go. Ok. Une fake out? Non. Attends, je crois que je le drop là. Pourquoi? Let's go. Yes. Let's go. Allez, il faut que j'en drop deux autres. Trois autres. Let's go. Merci les gars, merci, merci, merci. Je redrop. Enfin, je redrop un nécessaire. Let's go. Une carte? Ok, carte. Enfin, grimoire. Perso? Allez, allez. Carte. Ouais, c'est dommage. Allez, on skip. Voilà, ça va être dur de nous drop, hein. Ça va être très très dur, hein. Wow, un fake out, ça m'étonnerait. Non. Fake out après. Non. Ok. Bon, ça, en sachant que j'ai deux pierres universelles. Ouais, il m'en faut trois, ça va être tendu. Hein. En une pitié, encore trois là. Ouais, là, je drop rien. Oh! Oh, le fake out! Ça, je crois que c'est un grimoire. Oh non! Non! Incroyable! 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 Doublon, allez, ça part de là. Incroyable! Ok, portail en or, ça coche. Pour ton œil? Non, fake out? Non, pas de fake out, ça m'étonnerait. Après, peut-être? Non. Ok, let's go. Fake out encore? Ah, c'est une carte. C'est un grimoire. Je peux skip. Mais non, j'ai drop Yami. La dinguerie. Le braquage. Ok. J'aurais pas dû la skip en vrai. Hein. Ça coche. Portail en or. Ok. Fake out? Non. On peut skip. On peut skip. Ça, on peut skip. Ça, on peut skip. Allez, juste deux, s'il vous plaît. Juste deux. Portail en or. Ça coche. Allez, ouvre ton œil. Ok. On prend, on prend, on prend. Fake out? Let's go. On prend. Ok, bon. On s'en fout. Allez. Non. Non, Sally. Sally, non, pourquoi tu viens? Allez, l'emblème. Yes! Non. Oh non, oh frère. Allez, juste deux, s'il vous plaît.
Allez, portail en or, sacoche, ouvre ton œil. Allez, 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 tombe, 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 tombe. Ah, oh, c'est dommage qu'il n'y a pas eu de transo. Ok. J'ai eu peur. Allez, l'emblème. Non? Ok. L'emblème de Clover. L'emblème de Clover, s'il te plaît. Non? Allez. Une carte? Ouais, c'est bien, mais j'ai le perso. J'ai le perso. Oh, ça a étendu, ça a étendu. Déjà, je vais avoir la pitié là. Allez, ouvre ton œil. Non. Fake out. Peut-être une fake out. Non, dommage. Après. Non. Là, tu viens de spoil, Fumagento, frère. Là, tu viens littéralement de spoil. Ceux qui sont pas à jour. Ok, portail honneur. Sacoche, là, il ouvre pas son œil. Petit fake out. Non, pas de fake out. Je peux skip. Je peux skip. Oh, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Bon, au moins, je le monte LR plus 3 au minimum là. Et la gueule du perso. Incroyable. Je pense que je vais faire encore 3-4 multi. Ok. Ok. On va juste vendre ça. Et c'est parti. Allez, on reprend les invoques. Allez, 2. Sacoche, portail en or, ouvre ton œil, s'il te plaît. Let's go. Ok, pas de transo, c'est dommage. Je vais arriver à la fin. Plus que un doublon, let's go. Merci pour toutes les infos quotidiennes sur Black. Pas de problème, mon frérot. Let's go. Allez, encore un. Un. Allez. Portail en or, sacoche. Let's go. Il ouvre son œil. Ça brille un peu trop. J'espère que c'est pas un fake out. J'espère que c'est le perso, je veux dire. Oh, la feinte. Ok. Ok, 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 ok. Yes, yes. Non. Ok. Une carte. Encore. Allez. Ouais. C'est bon, je l'ai maxé. Je l'ai maxé. Let's go. Let's go. Il me reste encore 10 cartes. Il me reste encore 10 cartes. Let's go. Merci les gars. Merci les gars. Je crois que j'ai... Ok. Non, pas trop de luck, hein. J'ai. Merci, merci pour le sub, frérot. Trop de luck, quand même. Hein. Quand même. J'ai pas drop 6 fois, hein. J'ai drop 4 fois, là. C'est juste que j'ai des deux, j'ai des pierres universelles. Ouais. Ouais, 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 ouais. En plus, on a fait un sacré braquage, là.
Mon direct level 100. Direct level 100. Ouais, mon taux de SSR, il est vraiment pas mal. Après, on va analyser le perso ensemble, tranquille. On verra ce que c'est. Ouais, là, je suis bien. Ouais, là, je suis très, très bien. Là, je suis très, 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 très bien. Il est en duo avec personne. Ok. Ok. Alors. Il augmente la speed, il réduit la speed. Oh là là. Alors. Son auto-attaque applique un DPF réduction de l'action de 5% aux ennemis. Et augmentation de la mention de power à tous les alliés d'un seul coup critique et coup critique augmenté. Ok, une certaine quantité d'action est réduite et une certaine quantité d'action est augmentée. L'auto-attaque, ça rigole pas. Hein. Oui. Du coup, stun, augmentation. De la vitesse de 55%, ralentissement des points d'action qui tombent à zéro. C'est une dinguerie le perso. C'est une dinguerie le perso. Non, je comprends pas, j'ai la trad auto. J'ai la trad auto. Bon, faut que je farme un peu tout ça, faut que je monte plus 5. Bon, je pense fortement qu'il va remplacer Lotus. En plus, il frappe en zone. On va aller sur l'ultime. J'ai pas vu l'ultime. Attends. Quoi? Il arrête le temps là? Il reste. Quoi? C'est quoi le truc là? À la fin de votre tour. Je peux réattaquer deux fois dans le même tour? Et du coup, c'est quoi les effets basiques? GG à l'union propre. Applique DBF, ok. Les gars, le perso. Oh, c'est pas un perso à ce niveau-là. C'est plus un perso à ce niveau-là. Ah, faut que je fasse un truc. Faut que je monte 10. Faut que je monte 10 pour que je sois tranquille. C'est ça. Ok, c'est parti. On est déjà à 21 minutes de vie. C'est une dinguerie hein, d'avoir créé un perso si cheaté après 3 mois de jeu. Non, pas encore, frère. Pas encore. Elle sort demain. Enfin, elle sort dans la journée. J'espère que tu vas bien. Je voudrais te proposer mes services en tant que monteur. Je voudrais savoir si tu es à la recherche d'un monteur. Malheureusement, non. Parce que je n'ai pas la possibilité de te payer. Et je sais que les monteurs coûtent cher. Ok, on a terminer ça, le LR plus 3, et on va s'arrêter là pour la vidéo. Juste un petit tour sur le passif et après on va l'équiper. Alors le passif du LR plus 2, régression temporelle revient à la vie ou il revient à 45% de pouvoir. Ouais, il revient à 45% des PV. D'accord. C'est vraiment pas mal du tout. Et le passif basique,
Augmentation des dégâts par tranche de 15 statistiques confère l'effet accumulation de temps à chaque tour jusqu'à 5 au max. Ok. Accumulable 5 fois. Ok. Pas mal, hein. Le perso, il est broken. Hein. À part avoir des stats supplémentaires, non. Ouais, le LR plus 5 va arriver après. Bon, les amis, vous savez que j'aimerais bien live plus longtemps, mais